Merci Jésus, amen. Amen. Gloire à Dieu, je suis vraiment heureux d'être au milieu de vous ce soir. Et c'était pas moi normalement qui devait faire la réunion, c'est un frère. Mais il n'a pas pu. Et c'est un cas contact. C'est important, vous savez. Il y a un homme, un gitan, qui le père a des frères qui est mort sur Béziers pour le Covid. Ça existe le Covid, hein, c'est dangereux. C'est des choses qui sont dangereuses. Je crois quand même qu'aujourd'hui, il y a plus de morts d'accidents ou de la mauvaise maladie que du Covid. Mais le Covid est quand même là. Et il faut toujours faire attention. La dernière fois, je pensais, si on est animé de l'amour de Dieu, vous savez, je crois qu'on doit se masquer. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que l'amour ne cherche pas son intérêt, mais elle cherche l'intérêt des autres. Ça veut dire que si je suis animé de l'amour de Dieu, je cherche l'intérêt des autres. L'intérêt des autres, c'est que je me masque. Et je pensais à ça la dernière fois. Parce que moi, je n'ai pas de crainte. Je n'ai pas de crainte particulière. Je ne suis pas invincible, je l'ai attrapé deux fois. Mais je pensais aux autres. Je dis, Seigneur, si je suis conduit par ton amour, je ne dois pas regarder qu'à moi, je dois regarder aux autres. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça? Moi, je le crois, moi. Je suis vraiment dans la joie, j'étais en chemin et je disais sûrement que ce soir on va appeler tous les frères chanter ensemble. Alors je bénis le Seigneur parce que le frère il l'a fait. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est souvent ensemble. Un texte dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles corrompent. Mais je crois que les bonnes compagnies, au contraire, elles bénissent les bonnes mœurs. Elles les purifient. Et ils deviennent encore meilleurs. Cherchez des bonnes compagnies. Cherchez des bonnes compagnies. On le dit, hein, je ne sais pas si c'est dans le monde. Hein, dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es. Que Dieu soit béni. Je suis heureux, vous savez, je pourrais demander que ce soit des plus anciens aux plus jeunes ce soir. Eh bien, tu ne nous partagerais pas quelque chose. Ils pourraient peut-être nous faire une petite évangélisation. La plupart tellement que nous connaissons l'évangile, je crois que chacun pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir Jésus? Qui ne le sait pas? Tout le monde le sait. Je pourrais laisser la place à un frère, même à une sœur. Elle le ferait. Alors je veux parler avec mon cœur ce soir. Je veux parler avec mon cœur. J'ai pas envie de prêcher. Il faut parler. Il faut se parler de cœur à cœur. Et tout à l'heure, j'étais assis. Et il y a un texte qui est venu, je vais vous le lire. C'est dans les Philippiens, chapitre 1 et verset 12, écoutez. Et on priera le Seigneur. Je suis vraiment heureux d'être là, je suis heureux d'être chrétien. Je suis heureux d'être enfant de Dieu. Je suis heureux d'être enfant de Dieu. Je suis libre. Ne te fais pas de soucis, ma soeur. Tu n'as pas besoin d'être dans la panique. La Bible dit, notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et Dieu sait de quoi tu as besoin, ma soeur. Alors sois dans la paix. Sois dans la paix parce que Dieu a ce dont tu as besoin. Il est dit au verset 12, écoutez bien. L'apôtre Paul, bien sûr, c'est l'apôtre, c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Et il dit, je veux que vous le sachiez, frère, ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Qu'est-ce qui était arrivé à l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a été emprisonné. Alors je ne sais pas de quelle façon, mais des fois il a été emprisonné de façon sévère. Les prisons n'étaient pas terribles. En quelque sorte, il souffrait. Il souffrait, mais il va dire, je suis apôtre, je suis serviteur de Dieu, je me suis repenti de mes péchés et je souffre. Il dit, mais je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Vous savez ce que je pensais quand j'étais assis? Je me suis dit, il y a des chrétiens qui souffrent pour rien. Il y a des chrétiens qui souffrent pour rien. Ils souffrent d'aller à la réunion. Ils souffrent de jeûner, ils souffrent de prier, ils souffrent d'être chrétien. Et puis des fois, ils sont dans des contextes, ils disent, je suis chrétien. Hein? Parce que sinon, c'est pas pareil. Hein? Mais tu souffres pour rien. C'est triste de souffrir pour rien. À souffrir.
mais que nous souffrons afin que ça contribue au progrès de l'Évangile. Amen. Mais souffrir pour rien, il y a assez de misère sur cette terre. Et l'apôtre Paul, même dans sa souffrance, emprisonné, dans ce texte-là des Philippiens, il va dire « Réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Alors nous allons parler quelques instants ce soir. Il s'est passé quelque chose, j'étais sur mon chantier. On observe en observant, hein. On apprend plus en observant qu'en parlant. Et j'observe, et puis, vous savez, sur les chantiers, ils demandent tout ce qu'ils peuvent demander, vont vous le demander, ils tirent au maximum. Et puis, tirer, tu peux faire ça, tu peux faire un petit coin. J'ai comme, je vais, mais... Et puis c'était l'architecte, alors voilà. C'est un peu celui qui est au-dessus de tous. Et puis, ça commençait un peu à me fatiguer. Et puis... Tu ne pourrais pas juste aller là, tu vois, il faudrait faire un lissage et tout. Elle dit, ça continue, ça ne va pas y aller, il va falloir que je le dise. Et puis, au moment où je m'apprêtais de lui dire, je le vois, l'architecte, en train de prendre des gros tuyaux de ventilation, de clim, c'était dans une école, mais des gros tuyaux. Et je le vois, l'architecte, en train de déplacer les tuyaux. Je le regardais, j'ai dit, j'ai jamais vu un architecte faire le manœuvre. J'ai jamais vu ça. Eh bien, vous savez, quand j'ai vu ça, ma colère, elle est partie et j'ai plus rien dit. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il s'est mis dans le travail. J'ai vu qu'il n'est pas resté dans sa hauteur et dans son titre. Il est descendu. Il n'a pas parlé. Vous voulez que les frères fassent un truc, les anciens? Vous voulez que les jeunes fassent des choses? Faites-le vous. Montrez-leur l'exemple. Levez-vous, chantez, exprimez. La Bible dit, même dans sa vieillesse, il porte du fruit. Son feuillage ne se flétrit pas. J'étais à Gien. Il est venu, un serviteur, chercher sa carte. Si vous l'aurez vu, mon petit avait la veste jusqu'à là. Il est allé. Il a pris sa carte. Il était heureux de servir le Seigneur. Celui qui est dans la joie, ça s'exprime. La joie, ça s'exprime. Je vais vous lire quelque chose. J'observe. On s'arrêtait avec Joaquin manger quand on était à Gien, dans un buffalo, peu importe. Et alors, voilà, on mangeait. Moi, si je mange sans pain, pour moi, c'est comme si je mange. Et puis, pour la première fois, buffalo, une soirée de viande, mais elle était bonne. C'était bon. Et puis, à la femme, il y avait une femme qui nous servait, ça allait. Et puis, elle a dit, vous pouvez donner du sel, du poivre. Elle était devant sa caisse, où c'est qu'il y avait tous les trucs, là, les fourchettes et tout. Oui. Et puis, elle s'en va. Et elle ne nous amène pas de sel et de poivre, rien du tout. On attend. Mais vous voyez, ça refroidit tout, c'est pas agréable. Et puis, il y a un jeune garçon qui servait, lui aussi. Dit, tu pourrais pas nous donner du sel et du poivre? Oui. Et il va à l'endroit où elle se tenait la femme, il regarde dedans et il nous donne du sel et du poivre. Je dis, elle avait devant. Il nous le donne. On n'avait plus de pain. On attendait qu'elle nous apporte du pain. Elle ne nous apportait pas du pain, cette femme. Et c'était dommage parce que je mangeais sans pain. C'était pas. Vous voyez? Et puis je me lève et puis on lui demande au garçon, non? On l'appelle. Tu pourrais pas nous amener du pain? Oui, de suite. Il va et il nous ramène une corbeille de pain. Je dis, il est terrible ce garçon. Et la femme, bon, je voyais, je dis, c'est un travail qui est dur, la restauration. Je voyais qu'elle n'arrêtait pas, la femme. Et puis j'attendais, rien à faire, elle venait pas. Et je me lève, je dis, garçon, tu peux m'apporter une bouteille comme ça? Ouais. Et il m'apporte la bouteille d'eau. Et je me dis, je veux lui donner un pourboire parce que. Je dis, j'ai envie de lui donner un pourboire à ce garçon. Et puis pour faire court, à la fin, la femme, elle vient à la fin du repas. Ça va, c'est bien passé? Bon, je dis oui. Ben, je ne veux pas non plus, c'est. Vous voyez, je dis oui, c'est bien. C'est dur, c'est un travail qui est dur. Et puis je vais voir à la fin, je vais pour payer, je vois ce garçon. Je dis, garçon, je peux te donner un pourboire?
Et je vois qu'il veut, il me dit oui, il fait, ouais, mais c'est pas moi qui vous ai servi, c'est la dame. Ils ont des tables à eux, moi, c'est le système. Je dis non, je sais qu'elle m'a servi, mais moi, j'ai envie de te donner un pourboire à toi, est-ce que je peux? Il dit oui. Alors je lui ai donné son pourboire. Et j'ai écrit ça. L'impact de la foi. Je dis, ce qui provoque un impact dans ma foi, ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je fais. La femme m'a dit, est-ce que ça s'est bien passé? Je lui ai dit oui. J'ai dit oui, je lui ai dit oui. J'ai dit, quand la servante m'a demandé si le service était bien, je lui ai dit que oui. Sûrement que cela a produit quelque chose en elle, sûrement. Elle s'est dit, bon, on a fait un bon service. J'ai dit, mais quand cette femme, elle a dû apprendre que j'ai donné un pourboire au garçon et pas à elle, alors cette satisfaction qu'elle avait, elle s'est évaporée. Par contre, le cœur du garçon, il était rempli parce qu'il avait son pourboire. Donc, qu'est-ce qui a produit un impact? Qu'est-ce que ma foi a impacté? C'est ce que j'ai fait. Le cœur de cette femme, par la parole que j'ai dit, il s'est sûrement dit, bon, mais ça va, on a fait un beau service, c'est bien. Elle devait être dans un sens un peu satisfaite. Mais quand elle a appris la réalité, ça s'est évaporé, donc ça veut dire qu'il n'y avait rien. La parole que j'ai dit n'a rien produit à elle. Mais à ce garçon, je n'ai pas fait, j'ai dit, est-ce que je peux te donner un pourboire? Il m'a dit oui. Et j'ai eu une action. Je lui ai donné un pourboire. La femme avait le cœur vide. Le garçon avait son pourboire. Il avait le cœur plein. La foi, ce n'est pas l'impact de ma foi. J'ai dit, la foi ne s'exprime pas en paroles seulement, mais surtout en actes. Si ta vie est fondée sur des paroles, ça s'évapore. C'est une vapeur qui paraît pour un temps. Ce qui impacte, et si tu veux que ta vie, toi-même, premièrement, soit impactée, que la foi que tu as, elle t'anime. La Bible dit, fortifié par la foi, il donne la gloire à Dieu. Est-ce que ta foi te fortifie? Est-ce que ta foi te donne des forces? Est-ce que ta foi anime et remplit ton cœur? La foi de Christ, c'est une foi vivante. Parce qu'elle vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Arrêtons de parler, agissons. Arrête de souffrir pour rien. Je souffre, hein, parce qu'il m'a parlé, ça me brûle dedans. Je souffre parce que je lui ai mis un coup, je ne l'ai pas fait, parce que je suis chrétien. Ta foi, elle s'évapore. Ça sert à rien. Ça sert, j'aurais changé un petit numéro de rien, là, j'aurais changé un numéro de rien. Je te dis pas, j'aurais été tranquille maintenant avec ce que j'aurais pris pour ma femme. Vous voyez? Tu souffres pour rien. Un chrétien, quand il souffre, ça produit de la bénédiction. Ça produit pas des choses charnelles. Des pensées vaines. Ça ne produit pas de la vanité. Un chrétien, quand il souffre, ça contribue au progrès de l'évangile. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur qui est là, tu ne souffres pas gratuitement. Dieu connaît ta souffrance. Et je te certifie, il y a un texte qui dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Je peux t'assurer que ta foi, elle t'est mise à compte, la Bible dit. Ce que Dieu met à notre compte, on a un compte spirituel, ce n'est pas l'incrédulité, c'est la foi. Alors Dieu te dit, Dieu te dit, Dieu te dit, ma sœur, lève-toi et dis à cette montagne, ôte-toi de là, et elle va le faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas en toi. Le secours ne vient pas de toi, il vient de l'Éternel. Amen. Et Dieu t'appelle à prendre position. Et tu dois proclamer ta foi. Je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Amen.
Et même s'il apparaît comme un Goliath, ne permets pas à la peur de te dominer. Gloria a Dios. Il ne faut jamais accepter la peur. Il ne faut jamais, il faut rejeter la peur. Et même si la peur vient te tenter, ne l'accepte pas parce que la peur te paralyse. La peur paralyse la foi. Un chrétien ne perd pas la foi. Tu n'as pas perdu la foi. C'est pas vrai. Tu n'as pas perdu la foi. Ta foi est paralysée. Parce que quand on regarde, quand on accepte la peur, quand on est dominé par la terreur, c'est l'effet de ce qu'on appelle dans l'actualité le terrorisme. Le terrorisme, c'est de répandre la terreur pour paralyser les gens. Parce que quelqu'un qui a peur, vous lui faites faire ce que vous voulez. Quelqu'un qui a peur, vous lui faites faire ce que vous voulez. L'ennemi, il n'arrête pas tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je peux vous assurer. Croyez-moi-le que lui, il ne se fatigue pas. Je vous assure, il veut me faire tomber. Il n'arrête pas. Il est constamment, 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 constamment. En vrai, je vous dis, j'en ai rien à faire de lui. J'en ai rien à faire. Moi, je confesse Jésus. Moi, je regarde Jésus. Je prie Jésus. Je loue Jésus. Mais je vois qu'il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un qu'il veut me faire tomber. Il veut me faire tomber parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Parce qu'au nom de Jésus, j'ai une autorité qui anime ma vie. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous vous étonnez parce que j'ai dit à ce figuier qui sèche et il a séché, et dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu, ma soeur, mon frère, ayez foi en Dieu. Et dis à cette montagne, jette-toi de là et elle le fera. Tu ne souffres pas pour rien. Tu ne souffres pas pour rien. Dieu est en train de faire émaner de ta vie un parfum qui répand la connaissance du Christ autour de toi. Il ne nous a jamais dit que ça allait être facile. Il ne nous a jamais dit que ça allait être facile. Hein. Mais il dit dans la parole de Dieu, sois un homme. Sois un homme. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire sois vaillant avec tes poings. Ça veut dire sois responsable. Ne fuis pas ta responsabilité. C'est ça être un homme. Un homme dans la Bible. C'est écrit comme ça, voici l'homme. Voici l'homme, il présente le Christ qui a été frappé pendant toute une nuit par une cohorte ensanglantée avec un vêtement de pourpre, avec une couronne d'épines, ensanglantée, boursouflée. Et il dit, voici l'homme, dans un état de faiblesse extrême. Mais un homme, c'est quelqu'un qui sait s'humilier. Ça, c'est un homme, c'est quelqu'un qui sait s'humilier. Parce que Christ, en s'humiliant, il a relevé l'humanité. Amen. Il a dit, et je le sens de Dieu de le dire ce soir, donne de la valeur à la parole de Dieu ce soir et de la crainte à la parole de Dieu. Écoute-moi. Il dit à Pierre, Pierre, range ton épée. Il dit, parce que celui qui vivra par l'épée mourira par l'épée. Alors écoute, donne de la valeur à cette parole. Jette cette épée. Je le dis parce que je le crois de la part de Dieu. Jette cette arme, ne la garde pas. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Écoute-moi, tu te trompes toi-même. Tu sais pourquoi tu veux la garder. C'est pas un souvenir. C'est pas non, 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 non. Tu veux la garder parce que tu veux l'utiliser. Et Dieu te dit ce soir, si tu vis par les armes, tu mouriras par les armes. Sois un homme. Sois une femme responsable. Dieu est en train de faire émaner de toi l'odeur de Christ. Alléluia. Tu ne souffres pas pour rien. Quelle tristesse de souffrir pour rien. J'avais ces mots.
ce qui impacte dans ma foi, c'est pas ce que je dis. On dit tellement de choses. On dit tellement de choses, je vous assure. Hein. Je vous assure, je commençais à m'emballer, moi. Je commençais à m'emballer, parce que je voyais, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Et au moment où je m'apprête à lui parler, je le vois en train de porter des choses. Mais un architecte ne portera jamais, un architecte, non, c'est pas vrai. Et bien il portait, avec les ouvriers, il portait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est quelqu'un. Je pourrais dire. Parce que j'ai dit, il peut m'envoyer. Pourquoi il peut m'envoyer? Il peut m'envoyer parce que lui-même le fait. Si lui, il le fait qu'il est architecte, moi que je suis juste un auto-entrepreneur, je vais le faire, non? Alors je me pose une question. Si on ne le fait pas, alors pour qui on se prend? Pour qui on se prend? Vous savez qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu est le divin architecte. Et il s'est humilié. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est en train de parler? Amen. Moi je le crois. Moi je le crois. Vous savez, des fois il faut arrêter les réunions. Il y a des réunions, il faut savoir les arrêter. Parce qu'on est tellement élancé par la routine. On vient à la réunion. C'est triste de venir à une réunion. À un moment donné, Jésus a arrêté une réunion. Il y avait plein de monde. Il y avait plein de gens qui remplissaient la maison. Jésus apportait un enseignement. Il apportait un enseignement de la parole de Dieu. Il y avait tellement de monde qu'il y en a qui ne pouvaient plus rentrer. Et puis, mais il y avait une nécessité. Et puis surtout, il y avait des hommes de foi. On a besoin d'hommes de foi. On a besoin de femmes de foi. Personne qui avait la foi. Ils avaient la foi que Jésus n'allait pas se frustrer. Ils avaient la foi que c'était pas gênant d'arrêter des réunions dans l'état d'esprit qu'il y avait. Et là, ils ont fait un trou dans le plafond et ils ont descendu un paralytique par le plafond. Et quand ils ont descendu ça, dans la nécessité, Jésus a arrêté sa réunion. Et il a commencé une autre réunion. Santo, gloria a Dieu. Moi, je voudrais ce soir qu'il commence une autre réunion. Amen, amen. Est-ce que tu voudrais pas qu'il y ait une réunion nouvelle? Amen. Une nouvelle fraîcheur, une nouvelle onction. Alléluia. Une nouvelle onction, comme disait le frère, rappelle-toi. Rappelle-toi ton cœur comme il était quand Christ est rentré. Une nouvelle, je veux, Seigneur, je veux une nouvelle réunion. Pourquoi? Parce que cet homme était paralytique. Et ce soir, il y a des gens qui ont leur foi qui est paralysée. Ils acceptent même la pensée qu'ils ont perdu la foi. Quelqu'un qui a perdu la foi, c'est un chrétien qui est reparti dans le monde et qui pratique le péché. Lui, il a perdu la foi. Mais des fois, c'est pas qu'on a perdu la foi. Nous, on croit qu'on a perdu la foi. Si Pierre, il avait perdu la foi, alors pourquoi il a dit « Seigneur, secours-moi » ? Non, Pierre avait toujours la foi. Amen. Mais la Bible dit que lorsqu'il marchait sur les eaux, vous allez me dire « C'est par la foi qu'il marchait sur les eaux, sûrement. » Mais je vais vous dire, c'est surtout par obéissance qu'il marchait sur les eaux. Parce que le Seigneur lui avait donné l'ordre de marcher. Mon frère, ma soeur, Dieu sait par où tu passes et Dieu connaît ta souffrance. Dieu sait que des fois tu vas à la réunion ou tu ouvres ta Bible, mais c'est tellement sec et ton cœur est tellement vide que tu sais même plus pourquoi tu le fais. Mais Dieu te dit une parole ce soir, il te dit, ne t'arrête pas, continue. Alléluia. Continue. Continue. Parce que même si tu es sec dans ton cœur, même si tu ne ressens rien, c'est pas parce que c'est comme ça, c'est pas parce que ton cœur est sec, c'est parce que la peur t'a paralysé ta foi. Tu as besoin ce soir que le Seigneur déparalyse ta vie. Ta foi. Cet homme était paralysé. Il était là, il était paralytique. Et qu'est-ce qui a fait que cette grâce puisse se manifester? C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus voyant la foi des quatre hommes. Jésus voyant leur foi. Moi j'ai la foi ce soir. Hein. Parce que peut-être ce soir toi tu n'as pas la foi. Amen, amen. Mais nous on a la foi. Et puis ce n'est pas des serviteurs de Dieu qui ont emmené les paralytiques. Hein. C'est quatre hommes. Ils n'avaient pas de ministère, mais ils avaient la foi. Alléluia. Je crois qu'il vaut mieux avoir la foi des fois qu'un ministère. Parce qu'il y en a qui ont des ministères, ils n'ont pas trop la foi. Mais ce qui impacte, c'est la foi. Mais pas dans ce que je dis, la foi dans ce que je fais.
Parce qu'il dit, si tu me dis que tu as la foi, il dit, mais il dit, montre-moi, il dit moi par mes œuvres, je te montre ma foi. Et toi, tu dis, tu as la foi, mais tu n'as pas d'œuvre. Qu'est-ce qui prouve ta foi? Parce que si je dirais maintenant, fais-moi voir ta foi, c'est pas facile. Fais-moi voir ta foi, c'est pas facile de faire voir la foi. On ne peut pas faire voir la foi. Le seul moyen de voir la foi, l'expression de la foi, c'est dans nos actes. C'est dans nos œuvres. C'est pour ça qu'une vie qui est désœuvrée, une telle foi peut-elle sauver? Alors on est là ce soir pour se dire on a la foi, on n'a pas la foi. T'es perdu, t'es pas sauvé, c'est pas ça du tout. Le Seigneur te dit, si tu ne ressens rien, c'est parce que ta foi est paralysée. Pourquoi? Parce que c'est écrit comme ça, marche sur les eaux. Et c'est écrit, voyant Pierre, voyant que les vents étaient forts, Pierre eut peur. C'est écrit comme ça. Pierre eut peur et il commença à s'enfoncer. Je le dis avec mon cœur et je me le dis à moi, n'acceptez jamais la peur. Je vous le dis, n'acceptez jamais la peur. Quand Goliath se trouvait devant l'armée de l'Éternel, il y avait un esprit de terreur qui était là. Et même, c'était des guerriers, ça, et tout ça. Israël, c'était des guerriers. Mais quand il y a la peur, on est paralysé. La peur elle te fait voir que l'objet de ta peur. Quand on est paralysé par la peur, c'est parce qu'on arrive, on voit que ça. C'est pour ça que le texte va dire, courez dans l'épreuve qui vous est proposée. Il dit, en fixant vos regards sur le Christ, en détournant vos regards de l'épreuve et en les tournant vers le Christ, qui est l'auteur de la foi, qui est le chef de la foi. Christ est le chef de la foi. Et aujourd'hui, ta foi n'a pas d'impact dans ta vie. Tu sais, mais tu n'arrives pas à trouver la puissance et la force. Pourquoi? Parce que tu regardes l'objet de ta terreur et tu dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, on dit au nom de Jésus en regardant à Jésus. Parce que tant que tu regarderas l'objet de ta terreur, tu seras toujours paralysé. Je veux le dire ce soir parce que c'est ce que je ressentais. Il faut que tu prennes une décision ce soir. Il faut que tu prennes une décision pour que ta vie soit déparalysée, débloquée. C'est comme si je dirais, je le dis comme ça, c'est comme si je dirais, je sais qu'il faut pardonner, un chrétien doit pardonner, je le sais. Vous voyez? Mais je reste chez moi. Non, mais des heures. Parce que si toi tu le sais, et tu le dis, non, chrétien, il faut qu'il pardonne. Mais la Bible dit, heureux celui qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Si tu approuves qu'un chrétien doit pardonner, mais si tu ne le fais pas, tu te condamnes. Il faut que ta foi se déparalyse ce soir. Mais elle ne peut pas se débloquer si on ne fait pas confiance en Dieu. Il faut revenir à la foi. Pierre n'avait pas perdu la foi, mais dans l'ultime, là, il n'y avait plus de miracles, il ne marchait plus sur les eaux, il n'y avait plus de guérison, il n'y avait plus de démons délivrés, là, c'était terminé. Il était sous l'eau, il avait peur, il était submergé par les eaux. Mais il dit, Seigneur, secours-moi. Quelle prière simple! Il n'a pas fait une doctrine, là, il n'a pas développé une doctrine, il n'a pas fait un psaume. Il a dit, Seigneur, secours-moi. Moi, si je suis ce que je dis ce soir, je le crois de tout mon cœur, que si tu cries à Dieu ce soir, et si tu lui dis, Seigneur, secours-moi, je le crois que ça va se produire. Parce qu'il dit, ayez foi en Dieu. Vous êtes surpris parce que j'ai dit à ce figuier qui sèche, il dit, si vous ayez la foi en Dieu. Il dit, si tu aies la foi, il dit, tu dis à cette montagne, dites à cette montagne. Adresse-toi à ce qui t'écrase. Adresse-toi à cette masse de terreur, d'oppression sur ta vie. Adresse-toi à cela et dis-le. Mais tu ne peux pas le dire quand tu es dans tes raisonnements. Il y a des personnes qui demandent à Dieu, qui prient Dieu, mais quand ils prient Dieu, ils consultent leurs pensées. C'est pas ça? Seigneur, d'accord, je le fais, Seigneur. D'accord, c'est ce que tu veux? D'accord, je le fais. Mais si je fais ça, après, si je fais ça, qu'il arrive ça. Et si je fais ça, qu'il se passe ça. Et si je fais ça et que je perds ça, tu n'y arriveras jamais.
n'arriveras jamais à obéir à Dieu. Parce que l'obéissance, elle est dans la foi. Elle est dans la confiance que s'il me demande quelque chose, c'est qu'il sera avec moi. Seigneur, nous sommes en train de couler. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Seigneur, ils ont peur. La tempête se lève, tout ce que vous voulez. Ils avaient oublié que Dieu leur avait dit, passons de l'autre bord. Tu as oublié la parole de Dieu. Tu as oublié ce mot que Dieu t'a donné. Dieu leur a dit, passons de l'autre bord. Ils ne pouvaient pas se noyer au milieu. Parce que s'ils devaient se noyer, Dieu leur aurait jamais dit, allons de l'autre bord. Parce que du moment que Dieu déclare une chose, écoutez-moi, du moment que Dieu déclare quelque chose sur une vie, il ne peut rien se passer d'autre chose que ce que Dieu a déclaré. C'est fini. Quand Dieu a déclaré quelque chose sur une vie, il ne peut rien se passer autre chose que ce que Dieu a déclaré. Pour ce que Dieu a annoncé, ne se déclare pas. Il n'y a qu'une seule chose qui peut produire ça. C'est qu'une personne se détourne de la justice pour pratiquer l'injustice. Alors là, tu empêches la main de Dieu de te bénir. Là, tu empêches la main de Dieu de te qualifier, de te former pour accomplir sa volonté. Tu empêches la main de Dieu, pourquoi ? Parce que tu te tournes vers l'injustice. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Dieu ne travaille pas avec ceux qui pratiquent l'injustice, l'iniquité. Je rends grâce à Dieu parce que je sens que Dieu est là ce soir et je sens que Dieu s'adresse à des cœurs. D'ailleurs, je voyais, on fait ça et je vais vous dire quelque chose ce soir. Le premier qui a besoin de Dieu, c'est moi. Moi, je ne fais pas les réunions pour les autres. Chaque fois que j'annonce la parole de Dieu, je vous assure et je le dis devant le Seigneur, chaque fois que j'annonce la parole de Dieu, c'est à moi que je l'annonce. Parce que j'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il me fasse voir des choses. Même, l'architecte, ce n'était pas un chrétien. L'architecte, ce n'était pas un chrétien, c'était un inconverti. Et bien Dieu m'a parlé au travers de l'action de cet inconverti. C'est important ce qu'il m'a montré. Parce que j'allais être charnel. J'allais lui mettre un peu la pression pour qu'il s'arrête. Parce qu'une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, j'ai dit, c'est pas possible, il ne va pas s'arrêter. Mais dans l'attitude de cet homme-là, il m'a parlé. Je dis, oui, c'est pas possible. Ah, mais c'est vrai que si lui le fait, moi aussi je peux le faire. Dieu peut parler par qui il veut. Dieu peut parler de la manière qu'il veut. Si Dieu veut faire obéir quelqu'un, Amen. Vous savez ce qui condamne et ce qui nous met des fois dans des situations embêtantes? Vous savez c'est quoi? Mais c'est qu'on l'appelle Seigneur. Seigneur, ça veut dire maître de tout. Et si je dis à Dieu qu'il est mon Seigneur, alors il agit envers ma vie comme le Seigneur. Vous savez que Dieu met en prison, on n'est pas que captif du diable, hein. Dieu met en prison, vous le savez. Dieu met des enfants en prison parce que il le dit, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu n'aies remboursé jusqu'au dernier centime. Vous savez pourquoi il dit ça à personne? Il dit parce que quand tu vas présenter ton offrande, et tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, pose ton offrande et va te réconcilier. Il dit, parce que sinon, il dit, dépêche-toi, arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Il dit, parce que sinon, ils vont te jeter en prison. Et Dieu dit, tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies... Pourtant, je vous assure qu'un centime, c'est rien du tout. Un centime, c'est rien du tout. Mais la Bible dit que rien d'impur ni de souillé n'héritera du royaume des cieux. Alors je voudrais m'arrêter sur ça. Je voudrais m'arrêter sur ces mots. Je voudrais m'arrêter sur ces mots. Mais que tu gardes cette parole. Notre Dieu, il est vivant. Amen. Et tout à l'heure, quand j'ai dit ces mots, une nouvelle réunion, j'ai senti la grâce de Dieu. J'ai senti la grâce de Dieu et puis... Je vais vous dire plus de ressentir. C'est écrit dans la parole. La foi vient de ce qu'on entend. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ça veut dire que si c'est écrit, tu as le droit de croire. Mais on va faire quelque chose où, si vous voulez, on s'incline. On va s'incliner devant Dieu. Je voudrais prier le Seigneur.
Parce que vous comprenez que c'est une œuvre spirituelle. Quand nous parlons de foi, c'est une œuvre spirituelle. Quand nous parlons de paralysie, nous croyons que c'est spirituel. Et peu importe ce qui peut produire en toi la paralysie, que ce soit des puissances des ténèbres, que ce soit la maladie, que ce soit ton fils qui touche à la drogue. Ce qui est important, que si tu comprennes, que si tu veux que ta foi t'anime, si tu veux que ta foi te fortifie, alors il faut plus que tu regardes à ce problème. Et là, quelque chose te dit, tu serais vraiment une mauvaise maman si tu laisserais ton petit comme ça. Écoute-moi, c'est une pensée mensongère. Tu sais pourquoi? Parce que nous, quand on prie, on laisse toute chose entre les mains de Dieu. On n'abandonne personne, nous. On fait connaître nos besoins et nos soucis. On les fait connaître à Dieu et il garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Alors on reste incliné. Je voudrais prier le Seigneur. Amen.